Lehenik, barkamenak eskatu nahi dizuet, euskara ikasten ari naizelako. Enetzat oso, importanta da euskaraz ere. Itz bat zuen erraitea zuen aintzinean. Herri bat, ez baita erraitekin zen barkatu, hizkuntzarik gabe. Bostkaren bozka erremuan ordezko den peiorekin batean. Ezkertiak abertzalean mezua, ekarriko dugu EH Baiekin. Baliatu nahi dut eskertzeko kanpaina honetan, gurekin batean lan egiten duten guziak. Herri honen egaizko alternatiba, bakara gugira. Depuis des mois, on nous parle de la crise, de la politique d'austérité qui doit être mise en place. À Nipparaldé, nous disons que nous pouvons proposer autre chose et refuser de payer cette dette qui est la dette des banques et des riches. Non, cette dette n'est pas la nôtre. Et pour toujours plus de profits, les actionnaires des multinationales, aidés par les gouvernements en place, imposent des mesures de plus en plus dures pour les travailleurs et les travailleuses. La vie, la santé, l'amour sont précaires. Pourquoi le travail échapperait-il à cette loi ? Toute la philosophie du MEDEF est contenue dans cette déclaration de Laurence Parisot. Le gouvernement Sarkozy a de manière constante affaibli le code du travail et les nombreux acquis arrachés par les luttes de la classe ouvrière. La situation pour les travailleurs et les travailleuses est grave. Les contrats de travail sont de plus en plus précaires. Les conditions de travail sont de plus en plus insupportables. Le chantage au licenciement existe si l'on ose revendiquer. Les femmes, les jeunes, les étrangers sont soumis à des contrats où le salaire ne permet plus de subvenir aux besoins élémentaires. Les salariés en CDI sont considérés comme des privilégiés et n'osent plus se syndiquer par peur des représailles. Pourtant, des solutions existent et nous les portons. Une mesure essentielle pour créer de l'emploi est la reprise de la diminution du temps de travail en arrivant aux 32 heures, car grâce à un partage plus équitable des richesses, nous pourrons partager le temps de travail et faire reculer la précarité. Le droit à la formation durant toute sa vie professionnelle et sur son temps de travail est un minimum sur lequel on ne doit pas transiger. Les syndicats doivent être reconnus en tant que tels. Et beaucoup d'entre eux doivent retrouver le chemin d'un syndicalisme de lutte, en tournant le dos à un syndicalisme de gestion appelé de ses voeux par le MEDEF et ses alliés. Face à la mondialisation, face à la concurrence forcenée qui entraîne nombre de fermetures d'entreprises, nous défendons une relocalisation de l'économie et la solidarité entre les peuples, les travailleuses et les travailleurs. Le partage des richesses produites chaque jour par les travailleuses et les travailleurs est possible. En créant un système de santé et de protection sociale, un système éducatif au service et aux besoins de la population et non des marchés financiers, et en développant des structures économiques solidaires, comme par exemple de vraies coopératives ouvrières et de véritables mutuelles. En Pays Basque, nous avons une grande expérience des contre-pouvoirs et nous pouvons relever ce défi. C'est ce message qu'EH Bai veut porter à Paris. Car nous le disons haut et fort, la gauche caviar s'est convertie depuis bien des années au modèle économique social libéral. Oui, le Parti socialiste a participé à la déréglementation des marchés financiers. Oui, le Parti socialiste a signé et soutenu les différents traités européens avec ses dogmes néolibéraux. Le dernier gouvernement socialiste de Jospin a favorisé la privatisation de France Télécom, a signé les accords européens de Barcelone en ouvrant la concurrence des services publics, de l'énergie, des transports et du courrier. Et rien ne nous permet de penser qu'il y aura cette fois-ci une rupture à la hauteur de la situation. Qui incarnera le changement maintenant ? Mais l'économie ne peut pas être dissociée de l'écologie. La nature n'a pas de prix. Et le constat est grave. Dérèglement climatique, perte de la biodiversité, famine, pauvreté, exode. Aujourd'hui, les biens communs naturels comme l'eau ou le carbone entrent dans la finance. Il faut se battre pour une justice climatique. Il faut se battre pour défendre une agriculture qui respecte l'environnement, sans OGM, avec des structures à taille humaine qui produisent local pour vendre local. À Nipparaldé, des agriculteurs, des agricultrices
luttent au quotidien pour vivre dignement avec leur travail, tout en respectant la nature et le mode de vie. Nous devons porter ce message et nous battre à leur côté. Vivez simplement pour que simplement d'autres vivent, disait Gandhi. Cette affirmation passe aussi par la prise en compte par tous et toutes d'un mode de vie respectueux de notre environnement. Mais notre projet de société s'inscrit aussi dans la prise en compte de l'autre et de la reconnaissance pour tous et toutes des mêmes droits. Et il reste de nombreuses luttes à mener. Ainsi, la violence faite aux femmes a mille visages. Inégalité des salaires, harcèlement au travail, précarité des postes de travail, les femmes sont de plus en plus vulnérables face au licenciement. Il ne faut pas oublier non plus les nombreuses femmes victimes de violences conjugales. Une femme, tous les deux jours, meurt sous les coups de son conjoint. Fillon avait fait de la violence faite aux femmes une grande cause nationale et c'est devenu une grande cause perdue. Il devient urgent d'édicter une loi cadre contre toutes les violences faites aux femmes, à l'instar de celles qui existent en Aigualdé. Ces dernières années, la droite a volontairement adopté le discours du Front National. Pour autant, a joué l'apprenti sorcier sans mordre les doigts aujourd'hui, puisque les dernières élections ont permis de constater que les électeurs ont voté pour l'original et non pour la copie. Mais les idées sont là, nauséabondes. Et il faut dénoncer ces mensonges permanents de la droite et de son extrême. Non, l'immigration ne coûte pas à la France, mais elle l'enrichit. La France a versé 48 millions d'euros de prestations sociales aux étrangers. Eux-mêmes ont versé 60 millions en impôts et cotisations sociales. En 2011, la France a gagné 12 millions d'euros grâce aux étrangers. Non, les étrangers ne nous ont pas envahis. Non, la part des étrangers n'augmente pas. Ils étaient 6% en 1926, 6,3% en 1990 et 5,8% en 2008. Pas loin d'ici, à Hendaye, il existe un centre de rétention administrative. C'est un lieu où on enferme les migrants, les gens qui ont simplement pas de papier. C'est des prisons pour étrangers. Et ces centres sont une véritable honte pour l'État français. On y enferme des gens qui, pour la plupart, s'en vont. Il est facile pour la police française de monter dans les trains, d'arrêter dans les quais de gare ou dans les bus des étrangers qui ont en main leurs bagages et en main leurs billets de retour. Tout ça pour remplir des objectifs et des quotas, comme l'ont fait Hortefeux, Guéant et toute la série des ministres qui se sont succédés. Le parti du Front National est manipulateur et menteur, et l'UMP s'en est fait son complice. Toute culture naît du mélange, de la rencontre. À l'inverse, c'est de l'isolement que meurent les populations. Nous sommes porteurs de tous ces messages. L'alternative maintenant pour le Pays Basque, c'est le vote et Atchebaï, le seul à même de porter et de faire entendre les revendications de notre territoire à Paris. Geroa gureada, gugira herionen geroa, gugira idekidura ekartzen dugunak, eskualtasuna beti hor da eta hor izanen da. Hori frogatu dugu, urtez urte eta segituko dugu bide beretik. Hiru haste gelditzen zaigu, gure inguruan den jendea, konbentitzeko. Bakoitzak gure inguruan Atxebai mezua edatu behar dugu. Ekainaren, amarean, egiazko botoa da Atxebai. Bozka Atxebai!